Well, now I have some money, but... Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Nous sommes à Los Angeles, premier stop de notre voyage de l'été. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit, il est 4h du matin. C'est l'heure à laquelle je dois me réveiller pour aller faire le montage du vlog parce qu'on a 9h de décalage horaire et il faut que du coup je le fasse à 4h du matin. Mais c'est pas grave, dans la joie et la bonne humeur. Je suis en train de me faire une petite balade pour me mettre les idées en place et comme I'm just a girl, j'avais évidemment peur de marcher toute seule dans la nuit. Moi aussi je t'es réveillée et on fait la morning miracle morning avant même le morning. Vraiment supérieur au monde quand je me lève comme ça. Genre là je me sens au-dessus parce que il est super tôt et que je suis déjà debout quoi. Ouais je comprends, moi c'est pour ça qu'à un moment j'étais vraiment accro à la Miracle Morning. Et aussi à Los Angeles, à 5h du matin, la ville se réveille. Donc on n'est pas si spécial, on n'est pas si différente. Puisque ici c'est vraiment chose coutume, ils se réveillent tôt pour aller faire du sport, pour aller faire leur truc, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ne vous inquiétez pas pour nous. Je pense qu'ils s'inquiètent pas du tout hein, ils sont devant le vlog sur leur canapé. Tout va bien, c'est bien, profitez-vous aussi. Ma fille vient vers nous. Il vient vers nous. Yay! On va dans le 7-Eleven. Il n'y a absolument aucun bruit dans les rues de Los Angeles sauf les flip-flops de Solène. Oui. Quand tu arrives dans une nouvelle destination, tu n'es pas encore acclimaté, tu as encore du mal à te rendre compte, tu es mi-jet lag, mi-encore à Paris, parce qu'il y a quelques heures, tu étais encore chez toi. Ce matin, je me suis réveillé en me disant, ok, là, je me rends vraiment compte. On est vraiment à Los Angeles, on est vraiment en train de faire des vlogs d'août aux États-Unis et ça m'a mis en joie. On y est, hein? C'est vert. D'accord. Oh mais s'il te plaît, regarde-moi ça, comme c'est beau. On a oublié les clés et il y a cette machine qui nous parle mal. Hey, oh mon gars, du coup on a appelé notre autre gars, Marcus. Tu peux nous ouvrir s'il te plaît? Et comme ça la caméra va voir qu'on n'est pas des pickpockets. Tu veux quel pocket là de la maison? Zac Efron a été hospitalisé d'urgence après avoir été retrouvé inconscient dans une piscine en Espagne. C'est triste, j'espère qu'il va bien. Je pense que Marcus est en train de faire, regardez, il a un sac poubelle et il sort des trucs de son sac poubelle. C'est une machine qu'il a fait à Paris et qu'il a oublié d'étendre. Alors du coup elle est là, ça a devoir puer. Marcus? Oh putain ça sent à fond la lessive encore. C'est trompé. Ça a voyagé dans ta valise comme ça? Si. Ah, ça sent bon hein. C'est quoi ta lessive Marcus? C'est le chat. Hey, je pensais que ça allait puer, tu sais, quand oui, tu laisses aussi, les vêtements. Moi aussi, je pensais que ça allait sentir le renfermer. Il y a une fille dans ma classe, au lycée, elle sentait toujours le vêtement qui a pas séché. Ouais. Et donc, ça, elle sentait le renfermer et on n'a jamais osé lui dire. Et pourtant, c'est une bonne copine, je serais avec elle tous les jours et tout. Moi, tu me dis pas ça, je te défends. Ah, moi, si tu me dis pas. Ah bah, je suis désolée. Ok, bah du coup, tes vêtements, ils puaient, les gars. On a une belle journée qui nous attend. Ah je le sais, ça se voit, regarde le ciel. Ouais, le ciel il nous dit, les amis, les vlogos, on va vous préparer une belle journée à Los Angeles avant de partir. Mais d'abord, on ne fera rien tant que Marcus ne vide pas son sac poubelle. Je vois une notification d'un truc que j'ai oublié. Mais cette nuit à 2h27 du matin, j'ai un appel auquel j'ai répondu. Donc dans un demi-sommeil. Ce numéro de téléphone, c'est tout simplement l'aéroport. Parce que rappelez-vous, on a une valise qui n'est jamais arrivée. À 2h30 du matin, le frérot il m'appelle pour me dire « J'ai votre valise, où est-ce que je la dépose ?» Je n'ai aucune idée de ce que je lui ai répondu. Alors soit je lui ai dit « Hello ». Put-la devant la porte. Ça se trouve, je lui ai dit « Hello, ramène-la à Paris ». Je sais pas, j'étais en train de dormir. Mais oui, c'est une chauve-souris, le monsieur. Il dort le jour et il répond que la nuit. Ici, ça, travail. J'ai révisé mon brevet de parachutiste et j'ai répondu à 45 mails à peu près. Et ouais, comme ça, demain, on a un lundi serein avec le gros décalage horaire. Parce qu'on est à Los Angeles, maintenant, je peux vous le dire. Mais tu leur dis où on est demain? Non, vous avez qu'à regarder. Les Américains, ils sont gentils. Les Français aussi, vous êtes gentils. Les Belges aussi, les Suisses aussi, les Canadiens aussi, les Algériens aussi, les Marocains aussi. Qu'est-ce qui te suit d'autre? Imagine all the people. Non mais là j'ai dit le plus gros de la des gens qui te suivent. Non. Premier France, deuxième Belgique, trois Algérie, quatre Canada. Ah ouais, ouais. Algérie plus que Canada. Ouais.
C'est bien. Allez, on continue de regarder les nains. Tout le monde. Les Suisses, ils sont où? Les Luxembourgeois, vous êtes où aussi, vous? Vous venez d'où en commentaire? Dites-le nous, s'il vous plaît. Oh ouais, il faut que chaque ville ait son représentant en commentaire. Ah, j'aime bien, ça fait les Jeux Olympiques du commentaire. Et je veux être le représentant de Strasbourg, je mettrai un commentaire. Je vais s'oublier. Oh là là, c'est ça le bonheur d'été. Votre copine est habillée en hôtel Mafouf de la tête aux pieds. Aujourd'hui, on a une journée trop chouette et j'ai préparé une toute petite surprise. J'ai fait des stickers. On a fait ce visuel avec tout le monde dans la voiture. Elle sera en métal. Quasi jamais de collaboration autour des vlogs d'août, mais je trouve que ça faisait sens puisque Revolut c'est une banque en ligne qu'on avait déjà tous dans la team, et surtout c'est que à l'étranger c'est extrêmement pratique. Il n'y a pas de frais sur les retraits et les paiements à l'étranger, et de toute façon quand tu payes directement avec ta carte bleue Revolut, elle fait automatiquement la conversion. Oh, pas la conversation, la conversion, t'as capté. Des cartes bleues, on a tous les quatre des eSIM, et les petites données à l'étranger qui s'activent. Hop là, hors forfait, on n'a pas ça. Une année, on est revenu des États-Unis, je suis revenu en France, j'étais choqué de mon compte en banque, hein. Des frais, faut voir. Et il y a également tout plein de fonctionnalités qu'on aime chez Revolut, comme s'effectuer des transferts entre nous instantanément. Vas-y, tu payes l'addition, Marcus. T'inquiète, je fais un Revolut en rentrant. Et ça a été élu la banque la moins chère pour les jeunes. Et là où il y a le twist situation, le twist vlog d'août, quand tu reçois, tu donnes. Et donc du coup, si vous allez sur le lien qui est en barre d'infos pour télécharger Revolut gratuitement évidemment, on t'offrira 20€. Et en plus, 5 d'entre vous seront tirés au hasard pour dépenser 500€ à Hôtel Mafouf. Pas forcément sur le site internet, peut-être que s'il y a un pop-up, il sera privatisé pour vous. Mais dites pas encore à Swen que je vous ai teasé le pop-up. Elle va me gronder. Oh mon gars. Avec le petit logo dessus. Je suis avec le Discord. Oh, elle est rose la mienne. Oh, comment t'as d'être? Belle, hey. Black card. Tu vois? Et si on allait dépenser nos sous? Mmh. Ah. On va où? Bah, Marc, tu sais où on va? Of course! Évidemment que vous allez retrouver la team situation dans un autre parc d'attractions. C'est notre seule journée full full à Los Angeles. On voulait vous montrer à quel point cette ville a plusieurs facettes et c'est vraiment une pluralité de cultures. Donc dans cette même journée, on va passer par le côté divertissement, cinéma et animation que la ville de Los Angeles, évidemment de Hollywood, sait faire. Et ensuite, on va passer sur ma partie préférée, c'est que c'est une ville qui a le côté vraiment citadin-ville et le côté plage. Mais d'abord, on commence avec la partie divertissement. Il faut mettre de la crème solaire. Les mains, ça vieillit super mal. Les filles, venez, il y a des douches. On dirait les laitues au Franprix. C'est moi la laitue. Harry Potter. Mario. Jurassic Park. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec Universal Studios, ça met en lumière plusieurs univers de dessins animés, d'animation, de licences exceptionnelles que tu connais forcément. Il y a par exemple le monde des Simpsons, Harry Potter, Mario Bros. On a également l'univers et quelque chose que vous saviez peut-être pas sur Marcus, fun fact, alors il adore les voitures, mais ce qu'il aime plus que tout au tout, c'est Harry Potter. C'est le genre de mec qui se tape, tu sais, les watch parties qu'il y a au cinéma. Mais guys, pendant 2 jours, il nous répond plus et en fait, il regarde au cinéma tous les Harry Potter. Guys, c'est quoi votre maison? Moi, je suis Gryffondor. Et vous? Moi, je suis Hello Kitty. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Je me trompe plus. C'est tellement libérateur. Attends, je vais découvrir de la drogue. C'est l'équivalent du crack. J'ai jamais pris de crack, mais Solène, lâche tout. Plus, plus, j'arrive pas, j'ai une robe. Il va revenir, il va tellement regretter d'avoir couru comme ça sous 40 degrés. Sur la première version de Retour vers le futur, ça devait être un frigo qui voyage dans le temps. Et pas une voiture? Non, ça a failli être un frigo à la place de ça. La dernière fois que vous avez vu du Universal Studio, c'était potentiellement dans les vlogs de GLC. Ils étaient venus chez moi à Los Angeles et ils avaient dit qu'ils n'avaient pas aimé Universal Studios. Donc c'est mon devoir de clarifier le nom de ce parc d'attractions sur internet parce qu'ils n'avaient pas la recette. Déjà, quand tu fais un parc d'attractions, je pense qu'il faut d'abord débrancher son cerveau d'adulte, brancher celui d'enfant et s'attarder sur les petits détails qui font vraiment du bien. Tu te rends compte du travail de tous les petits détails et rien que ça, c'est déjà une attraction. Ça là c'est pour les enfants, puis on va être trempé, ça sert à rien qu'on le fasse. Les crèmes qui
les yeux là. Égale 2, on déjeune au Krusty Burger. Et évidemment, quand c'est l'heure de la bière, on ira chez moi. Tout est génial, hein, mais pas la bouffe. Oh, bon, guys, j'ai l'impression qu'on nous a empoisonnés. Mais on nous a empoisonnés, mais je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Harry Potter? Guys, nous sommes arrivés dans le monde d'Harry Potter et je suis trop content. Guys, pourquoi j'aime tant Harry Potter? En fait, c'est ce qui me lie avec mon meilleur ami Aubin. Et Aubin, il est trop fan d'Harry Potter et quand on était petit, on regardait Harry Potter. Guys, on est arrivés! Wow. Mais je suis trop content. Mais regardez, on est dans le chemin de traverse. Non, mais c'est trop bien. Il y a Poudlard. Poudlard, regarde Poudlard. Qu'est-ce Poudlard dans les derniers films? J'espère que vous avez vu parce que je vois. C'est détruit et là c'est encore là. Guys. Ici recycle pas, ça m'énerve. Il n'y a qu'une poubelle. Tu mets tout dedans. Tu diras à ton pote Harry Potter que hein, le tri sélectif, c'est pas pour, que pour les moldus. Ceci est un message du gouvernement. Ministre de la Santé vous dit de vous hydrater. Il fait chaud, c'est l'été. Lève-toi, va chercher un verre d'eau et reviens. Ah mais j'ai un brain freeze. Mais c'est quoi leur problème de mettre des glaçons comme ça là? Là on va aller descendre, il y a des escalators qui à mes yeux te mènent derrière la plus belle attraction, la vue sur les montagnes de Los Angeles. C'est immense. Trop stylé. T'es prêt à rentrer dans le monde du coup de ton enfance? Ready. J'adore, ça va être super immersif. Immersif carrément, vous êtes prêts pour l'immersion? Oh, je suis choqué. Clou clou clou. Clou clou clou. Clou clou clou. C'est quel Mario toi? Oh wow, c'est trop bien. Oh, t'avais trouvé le bon mot, c'est immersif. Mario Kart en fait. Ah, mais oui. Attraction sympa. Ouais, surtout si t'es un enfant, c'est un peu enfantin. Oui, c'est un peu des pour les Minimoys. Mais... En parlant de Minimoys, est-ce qu'on donnerait pas nos bonnets à des Minimoys? Ouais, de ouf. Oh yeah! Ils ont tous encore leurs bonnets, mais moi ils m'intimident les gosses là. Je suis on fait Jurassic Park. Et soudainement, on l'a perdu. Ça arrive avant l'escalator. Merci. Ça m'a donné beaucoup trop chaud les marches. Mais heureusement, j'ai une magnifique robe Hôtel Mafouf avec des manches amovibles. Voilà. C'était exceptionnel, vraiment. J'adore Universal Studio. On arrive au parking et je me dis, mais tain, comment on va retrouver la voiture? J'avais oublié en fait que notre caisse. Au parking, pour le coup, tu galères pas. Oh, putain, la chaleur, c'est un sauna. On a roulé pendant 15 minutes. Marcus se gare. Mais là, tu fais gaffe, là, je vais être serré de fou. C'est large. Je m'arrivais sur la partie plus ville de Los Angeles. Nous sommes sur le célèbre, l'iconique The Walk of Fame. C'est le bus CNZ qui t'emmène voir les maisons de stars. Moi, j'aurais trop le seum qu'il y ait un bus qui passe devant chez moi pour dire, hey, regardez, elle est vite là. Quelle idée de star, toi, déjà. Merci de me rendre humble. T'as vu tes chaussures? Ça, c'est humble. Mais il arrête pas de se moquer de mes chaussures, j'adore mes petites ballerines. Même avec des ballerines, c'est pas grave. On va faire l'activité préférée de Solène. Découvrir les spécialités de chaque pays, j'adore. Au supermarché, Target, please. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. On a 20 minutes. Tu te concentres, je me concentre.
Ça n'a pas l'air trop bon, genre des petites glaces Ben & Jerry. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon. Il y a tellement de sauces. C'est comme quand je vais sur Twitter. Ici, ils aiment trop les mélanges de boissons. Regarde, Dr Pepper, crème et fraise. On vous fait un haul. J'adore les hauls. J'en ai eu pour 60$ en tout et je vais tout vous montrer. Un gel sculptant pour les boucles. De l'huile en spray d'avocat. Et d'olive. Du beef jerky teriyaki. Miam. Des trucs qui rendent ton eau plus hydratante. De la salsa con queso. Des Cheetos puffs. Des mac and cheese. Des mini tortillas. Old El Paso, faut faire les mêmes. De la sauce ranch. Des mini concombres. De la pâte à cookies Reese's. Moi aussi j'ai pris. Ça, tu peux en faire des petites billes et les manger crues dans une glace vanille, ou alors tu les cuis. Invite-moi chez toi pour goûter ça un jour. Et en gros, comme ça, tu as juste à couper de la poudre. Le chocolat de Mr Beat. Mr... Ah, je suis fatiguée, j'ai le jet lag qui commence à monter. Je goûte maintenant, genre, à la fin. Et de la sauce ranch. Ah, tu vois, Sabine, il a tout refait, c'est super bon, là. Ah, ok. Je vous ai dit, on a fait le divertissement, on a fait la ville, maintenant à Los Angeles, une demi-heure de route plus tard, tu te retrouves à la plage et on a les copains qui nous rejoignent. Enfin, s'ils arrivent à faire leur manœuvre. J'aime bien comment elle va rater le pied. C'est bien Paul, vas-y. Attention, on a une vanne de Scooby-Doo, hein. Non, non, non. Paul. Va là, va là. Mets les roues droites. Mais il est fou. Il est fou. Non, l'autre sens. Aïe, Seigneur, oh Jésus. Tout droit là. Braque. Si c'est Solène qui donne un conseil pour faire un créneau, c'est que vraiment. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. 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 Faut tout faire. Hein. Mais Paul, non, j'étais pas mal. Non, pour les vlogos, j'ai bien conduit, mais j'ai eu un peu de stress. Vous connaissez le stress du créneau. Heureusement que t'étais là, Marcus. Bonjour Paul. Comment ça va? On se la bise. On a un frigo dans notre voiture. C'est trop marrant, pourquoi vous avez des fruits dans votre coffre? Bah pour nous hydrater. Il va passer sa serviette de lunettes. Non mais parce que mes lunettes elles sont toujours dégueu. Ça fait un petit cadeau. Non, garde-la. C'est gentil, merci. Ce sera la lingette des vlogs du mois d'août. Ouais, merci, on la utilisera un autre jour. One time on est baby. I come baby. This is what I said in French language, I'm sorry. C'est l'armée, le pique-nique. Moi, tout seul. C'est un ton qui me fait un peu peur, donc je vais m'exécuter. Ouais, ouais, pareil. Hello, Annabelle. Hello. Meet Paul. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. On met les voiles sur le futur. Tant de souvenirs dans le cœur. On n'a pas trouvé de verre dans le Airbnb. Du coup, on boit dans des bols. Il y a autant de choses dans le Airbnb, mais pas de verre. Pas de verre. Oui. Il amuse du bail. On est des chats, nous. Il va mettre des céréales dans du coca, lui. Pas en wifi. Bien, oublie ton problème. Il y a autant de policiers, là. Mais oh là là, oh là 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 là, oh là là là. Oublie tous nos problèmes, et je te jure qu'on va les vivre une dernière. C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est quoi là? C'est quoi? Look at you, happy Sunday. Wow, wow. Mais quoi? Mais comment ils se sont donné rendez-vous? Même sur la planète Terre. C'est qu'il y a des communautés de tout. Tu vois, il y a les communautés des lumières. Genre sur WhatsApp, il y a un groupe qui s'appelle Venons faire du vélo avec des petites lumières un dimanche soir. Ah, ma vie, on est States. Oui, on est vraiment genre deux commères. On voit du bruit et de la lumière. On a couru. Les autres, ils sont restés bien assis. Hein. Oh mon Dieu, moi, deux mackerels. Dès qu'il y a du bruit et de la lumière, je vais tendre l'oreille. Mais allô. Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart dry. Cause it's always been you and I. Give me one more try, this is messing with my mind. I'm not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Orelsan, on va faire tout en français dans cette forêt. 17 000, c'est le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le vlog, merci d'avoir passé votre journée avec nous. Et je vous dis à demain. Demain, on se lève très tôt vers une nouvelle destination. Ah ouais, demain, on se lève tôt. Hein. Ah oui, et tu conduis 5 heures, donc... Tu fais toujours check du coude? Bien sûr. Ah mais il n'y a plus Covid, là. Check du coude. Va attaquer. Faut pas dire le sort interdit. Et si vous voulez
voulez continuer de vous amuser avec toute la team, tu peux te mater le petit vlog d'hier ou alors suivre tous les backstage des vlogs d'août sur mon nouveau compte Snapchat. Et les plus privilégiés d'entre vous sont sur le canal Instagram puisque c'est ici que tous les soirs je balance le vlog en avant-première. Voilà, tu sais tout, continue.